Et voilà, monument européen, une plaquette commémorative qui symbolise pour moi et pour les gens qui habitent ici la paix. Mon grand-père a dû, était forcé d'aller se battre comme soldat dans cette guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup ont été faits prisonniers de guerre, comme lui. Et les choses qu'ils ont vues étaient atroces. C'est des histoires qui ont marqué ces gens à vie. Et ils nous ont dit, plus jamais cela. Plus jamais. Et ça, c'est une motivation pour la politique, pour poser des actes, pour que ce plus jamais de la guerre se réalise. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Born, dans une famille, dans une grande famille. On était à 8. Donc j'ai grandi dans une ferme entourée d'animaux, de vaches, de nature. La vie était simple. Les agriculteurs à la campagne ne sont jamais riches. Mais notre enfance était gâtée d'amour et je dirais de nature. Donc l'essentiel pour la vie. Et voilà, le FC Olympia de Recht, meilleur club du monde. Quand moi, je commençais à jouer à 8 ans. Ce terrain n'existait pas encore dans cet état. Et il y avait de la boue comme ça. On était dans la boue jusque-là, en hiver. Donc, c'était un peu différent d'aujourd'hui. C'est un sport très franc. C'est pas diplomatique, c'est pas... On tourne autour du pot, c'est... t'es mauvais, point. C'est un peu à comparer avec la politique. Quand tu ne joues pas bien, on te le dit. Je regrette un peu d'être âgé maintenant. Ce temps est là, il est passé, il ne revient plus. Mais les souvenirs restent. Voilà, c'est un peu ça. Ça sonne un peu mélancolique, mais c'est mélancolique. Après mes études de philologie classique, j'ai dû choisir autre chose et le hasard le voulait que j'ai vu une annonce pour des études européennes et j'ai là où j'ai vraiment eu l'idée que l'Europe, ça me fascine, c'est vraiment la réponse à toutes les questions que je me posais. Et pendant ces études, j'ai dû faire un stage et ce stage, je l'ai fait au Parlement européen auprès de l'ancien député germanophone au Parlement européen, Mathieu Grosch. Et le hasard le voulait qu'à la fin de ce stage, son assistant quittait sa fonction et il m'a demandé de rester auprès de lui et être assistant pendant un an, que j'ai fait. Quitter le milieu politique était une des conditions pour faire de la politique par après. Et c'est pour cela que j'ai choisi de devenir avocat de campagne. Je voulais défendre, je dirais, pas des grandes entreprises, mais plutôt les gens normaux, donc avec leurs problèmes quotidiens. Et ça m'a permis de devenir autonome. Et ça m'a permis de penser, de faire de la politique un jour, puisque j'étais toujours un homme et un jeune intéressé à la politique. Cet intérêt pour les choses qui se passent ailleurs. Quand tu as cette idée en tête de devenir député européen, il faut naturellement faire un certain parcours, aller dans un parti, convaincre ses collègues que l'Europe, c'est peut-être quelque chose que M. Arimon pourrait faire dans le futur. C'était des échelons qu'on grimpe pour être proposé candidat à la tête de la liste européenne. Donc c'est comme ça le chemin vers ce mandat européen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, wir sprechen heute über Minderheiten. Ich selbst gehöre der deutschsprachigen Minderheit in Belgien an. Ich bin also deutschsprachiger Belgier, ich bin Europäer und meine Identität ist daher vielschichtig. Die eine Identität schließt die andere nicht aus, sie bedingt sich sogar. Minderheitenschutz ist daher keine Frage der politischen Einstellung. Minderheitenschutz ist ein Grundrecht und der richtige Umgang mit Minderheiten ist eine Überlebensfrage der Europäischen Union. Wir müssen also die Überarbeitung der Geoblocking-Verordnung dringend nutzen. Wir haben es in unseren Grenzräumen geschafft, Grenzen abzubauen. Wir dürfen nicht zulassen, dass genau diese Grenzen im Internet wieder künstlich hochgezogen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Chaque jour est différente, chaque dossier est différente. Et un Parlement en soi est une réponse pour, justement, pour les pays de résoudre leurs conflits d'une façon paisible.
Et quand je compare notre continent avec toutes ses possibilités, ses chances, ce mode de vie, sa qualité de vie, à d'autres blocs, je dois quand même dire que je suis fier d'être européen. Brexit était pour nous députés vraiment une journée très triste au moment où les gens votaient pour quitter l'Union européenne. C'était au Parlement à Bruxelles. On a chanté le chant d'adieu. C'était émouvant puisque on sentait dans la salle que ça faisait mal. C'était comme perdre un ami. Et il y avait beaucoup de députés avec des larmes dans leurs yeux. Ça m'a touché profondément et ça m'a dit aussi, et renforcé dans l'idée que travailler ensemble, c'est quand même mieux. Ce réflexe de quitter m'a fait mal et a fait mal aussi à la jeune génération britannique. Et j'espère que cette jeune génération, dans un futur proche ou plus lointain, aura la même réflexion et revient au sein de l'Union européenne. Le fait qu'on ait des êtres publics sur une vie privée était gérable, mais est devenu quand même un peu plus difficile, je dirais, les deux, trois dernières années. Là où les gens nous critiquaient avec des arguments avant, maintenant souvent on me traite avec des mots que j'interdirais à mes enfants de prononcer sans fondement. Et le comble, ce qui était vraiment grave, c'est donc cette attaque à ma maison privée. On a jeté un cocktail Molotov brûlant sur ma maison, avec le risque que cette maison puisse prendre feu pendant la nuit où dormaient mes enfants au premier étage. Et là, c'était vraiment le moment où je me disais stop, je ne peux pas accepter cela. On peut me critiquer, mais on laisse dehors ma vie privée et ma vie familiale. Donc ça m'a fortement touché, ça a aussi fortement changé ma manière de penser sur beaucoup de choses. Mais j'ai retrouvé la motivation de continuer dans le simple fait que je ne veux pas leur donner un deuxième gain de cause. Au moment où je dis j'arrête, comme ça ils ont gagné puisque... celui qui n'aime pas, il arrête de faire ce qu'il fait. C'est dans des moments difficiles où il faut continuer et se dire on va se battre pour ce principe. Une phrase qui m'a fortement impressionné et influencé, c'est la phrase de Sophie Scholl, jeune étudiante et militante qui a organisé la résistance, qui a été tuée par le régime nazi et qui a dit au moment de son procès « Wir kämpfen mit dem Wort », donc on se bat avec des mots. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. Si tu as un problème, dis-le au lieu de le faire avec tes mains. Donc ce principe fondamental vaut pour les enfants, donc devrait valoir aussi pour nous. Et c'est la motivation pour laquelle je continue. Et je défends ce principe tout simplement.